Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Chers amis, bonjour. Matin, nous saluons dans le doux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous comptons ensemble pour nous capables continuer avec le son nom, jour après jour, semaine ça, c'est nous-mêmes qui jouons l'opportunité hein, pour nous capables étudier ensemble le son 11 là, qui titrerait Jésus, chef et consommateur de notre foi. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Et gagne les batailles. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. À l'éternel rivage. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert sur la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, une autre fois encore, nous bénissons, nous louerons, nous exaltons ton Saint grand nom pour l'amour chaque jour manifesté en notre faveur. Au prends soin de nous, au permettre de passer une très belle nuit et maintenant nous réveiller en bien. Côté que nous allons étudier ensemble parole sacrée de grâce à Mano Kabani, mais nous avec cet esprit. Bénis tous nos frères et sœurs, tous nos amis visiteurs. Mais est-ce que parole ça est capable en retour, c'est en vie nous, et est capable de transformer la vie nous, et est capable d'augmenter foi nous. Fais-nous du bien, bénis journée pour nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, hier nous te voyons, le juste vivra par la foi. Et je dis, hein, qui c'est 7 mars, Noé, par la foi, Abraham. Hébreux, il définit la foi comme une ferme assurance des choses que nous espérons, comme une bagaille que nous démontrons même lorsque nous parlons. Ensuite, il y a une liste de fidèles dans le temps passé, ou du moins dans l'histoire du peuple Israël, qui t'a illustré qui est la foi et qui t'a montré ce qu'est la foi à travers de actions que vous tapez commettre. Et dans toutes les saillots, frères et sœurs, dans toutes les héros saillots, nous capables de joindre héros ça, Abraham, que relait, la Bible relait, père de la foi. Abraham, c'est un personnage probablement qui est plus important dans le chapitre hébreu, ou du moins dans l'histoire du monde que vous considérez qui gagne la foi dans la Bible. Dernier acte foi que Abraham fait, les particulièrement montrer vraie nature de foi Abraham. Les montrer nous réellement que Abraham c'est un monde qui te croit dans bon Dieu, qui te croit tout bon vrai dans bon Dieu, l'observer. Les pas te croit à moitié. Et bon noter que instruction bon Dieu à Abraham pour capable offrir Isaac petite promesse et promesse pour capable offrir en sacrifice. Hébreu dit que lui semblait impliquer une contradiction de la part de Dieu. Parce que bon Dieu dit à Abraham que la fait devenir une grande nation. Mais maintenant, bon Dieu fin by Abraham, petite que le promet lui, pour bon Dieu dit, offrir un sacrifice. Donc Isaac, lui pas excusez-nous, c'est pas Isaac, Ismaël, lui pas petite qui promesse là. C'est vrai, Ismaël, c'est premier petit Abraham. Mais Ismaël, pas petit promesse. Et c'est ça que fait bon Dieu. Il était accepté lorsque Sarah te dit Abraham pour le capable mettre Ismaël dehors avec tout. Maman li, nan kaila, eh bien, Sarah te accepte. Et bon Dieu te dit Abraham, oui, ou accepte fait ça que Sarah dit ou là, parce que ou te tende voir Sarah. Et maintenant, si Sarah mande ou ça, ou a fait ça, Sarah mande ou fait pour capable chasser petite là de maison avec toute maman li espérant que moi-même m'a prend soin de moi pas quitter yo seul parce que bon Dieu était toujours avec Abraham.
Et nous pral ouais, c'est même petit ça que bon Dieu pral fait Abraham cadeau, petite promesse ça en retour. Bon Dieu pral dit Abraham pour capable offrir seul grand garçon là en sacrifice. Eh bien, yo dit nous que ou du moins Hébreu, il dit que yo conclut que Abraham résolution ça qu'elle prend pour accepter complètement appel que bon Dieu fait là qui s'est offrir ça en sacrifice. Livre Hébreu a dit que c'est tout simplement parce que Abraham pensait que bon Dieu, même lorsque il finit tuer Isaac, bon Dieu a ressuscité Isaac. Mais est-ce que ça t'est qu'on fait déjà? Non. Mais il dit nous que peut-être c'est pas action que pas ça que bon Dieu fait pour Abraham qui permet à ce que Abraham vienne croire que même si petit ça a mouru, mais il est capable de ressusciter parce que Abraham à l'âge que était, il perdu toute force lui, sa énergie. Et Sarah, yo dit nous qui était stérile, donc yo moun stérile, pas une possibilité pour enfanter. Mais nous capable ouais, malgré ça, bon Dieu, li accompli promesse que l'était fait yo, que la baye yo petite et y a vinn papa yon grande nation, nous Abraham, li vinn faire Isaac. Donc ça augmentait foi Abraham jour après jour, ça vinn fait que Abraham croit non promesse bon Dieu yo. Li toujours croit que même si bon Dieu t'a dit faire un bagage mais bon Dieu c'est pas mettez la mêlée dans le trou au contraire li capable faire des merveilles li capable faire des choses extraordinaires dans la vie frères et sœurs ça belle lorsque nous comptons sur promesse bon Dieu lorsque nous croyons dans parole bon Dieu et lorsque nous prenons des bagages que bon Dieu fait dans la vie nous pour nous capable compter bien faire li et pour nous capable dire si l'Éternel a fait ça pour moi dans le passé. Donc, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est capable de faire pour moi encore, malgré moi pas qu'on ressuscité. Mais Abraham, t'es confiant que même si bon Dieu t'a tué petit là, ou du moins, il t'a tué petit là parce que bon Dieu m'a dit, il croit que bon Dieu a ressuscité petit là, ou du moins, bon Dieu a balayé l'autre. Donc, Abraham, t'es confiance dans bon Dieu. Et c'est ça qui fait nous capables que, pressentiment ça, que Abraham te gagne, il fait gagner plus foi et foi l'augmenter jour après jour et qui permettent que Abraham qui vienne relayer papa la foi. Nous-mêmes, je veux dire, une question que vous posez dans la leçon, frères et sœurs, comment nous capables et ouais, importance, ou du moins comment ça que bon Dieu fait dans la vie, nous, lorsque nous contemplons, lorsque chaque jour n'a prévision dans la vie, comment on capable aider nous à gagner plus foi, à faire bon Dieu plus confiance de ça que il gagne pour le faire pour nous. C'est là où du moins ça avec question ça nous quitter nous pour nous capable méditer jeudi hein, et d'autres questions nous pour le faire dans le son. C'était le son lundi hein, qui titrait par la foi Abraham. Que bon Dieu bénisse nous. Déjà moi souhaitez nous passer une bonne journée, fort maximum et déjà bonne étude sur nos Dieu la lui.